Déjà, c'est un notre studio de télévision nationale d'Haïti, Delma 33. Bonjour Haïti, bonjour, bonsoir le monde. Nous comptons ensemble avec vous aujourd'hui 2 mars pour nous capable présenter toutes les informations qui abdominent l'actualité. Déjà, nous souhaitons passer un très bon week-end sous télévision nationale d'Haïti. Rapidement, mes grands points, Haïti décide de pas participer à une rencontre qui a fait dans les Nations Unies, New York, sous question de choléra. Premier ministre paysan Jacques Lafontaine prononcé là ailleurs sous raison décision si là. Membre commission éducation dans Sénat République là rencontré ailleurs jeudi 1er mars là. Premier ministre paysan Jacques Lafontaine qui était ensemble avec le ministre éducation nationale là et formation professionnelle là Agenor Kader. Ministre économie et finance Jude Alix Patrick Salomon à coordonnateur OMRH là José Pierre lui problème professeur qui dans salle classe qui peut nommer et puis professeur qui nommer qui peut toucher tenamitan discussion yo. Police nationale d'Haïti démarré hier jeudi 1er mars là une formation sur blanchiment d'argent à corruption pour membre police nationale d'Haïti et puis à l'étranger dans pays Venezuela élection présidentielle qui était pour fête 22 avril la cap venir la reporté pour 20 mai pito d'après ça ma commission électorale nationale yo fait connait hier jeudi a c'est grand point ça avec Claude n'a gagné pour nous capable porter pour dans journal là cependant n'a pas petit coup de pause pas déplacer n'a tourner tout à l'heure. Merci pour fidélité et attention. Nous retournons pour développement et formation. Premier ministre paysan Jacques Lafontaine prononcé là hier jeudi 1er mars là sur conjoncture politique pays. Chef gouvernement qui t'a réagi sur communiqué minuit juste là dans cadre d'une rencontre avec la presse fait connait c'est une ingérence en bon côté représentant minuit juste là qui prend position dans affaires internes politiques pays d'Haïti. En nous suivant extrême précision pour le ministre Namiko Sainte-Croix Paki et Moïse Oubrich. En ce qui concerne visite représentation haïtienne à l'étranger, effectivement, tu as une réunion qui t'a gagné pour faire en ce qui concerne le choléra. Kounia, nous connaissons que Haïti les positionnel en ce qui concerne l'intervention des ONG sur le terrain. Haïti, je pense que Haïtien doit être fier, je veux dire, pour gagner une équipe d'hommes et de femmes ça dans la tête. Li. Parce que Haïti pas ni un savant, Haïti encore moins son moulin, mais son pays souverain Haïti. Choléra, ce n'est pas un cadeau comme choléra. Son tête liée. Parce que ce n'est pas nous-mêmes qui avons introduit du choléra dans le pays. De 2010 à nos jours, rien n'a été fait. Mais il y a bien pour le faire dans la discipline. Il y a un communiqué de presse et je pense que le public, Haïti, a une position sous déclaration ça que tu fait. Président Jovenel Moïse, depuis la campagne, il a dit qu'il faut nous retirer l'État dans la rue pour nous mettre au niveau des institutions. Ça va à l'abtour pour l'institution internationale. Parce que, je me dis ça tout à l'heure, Haïti, c'est pour ça avant nous. Haïti, pas un moulin. Un organisme international pas qu'à penser le venir en Haïti et puis pour faire des déclarations partisanes parce que ça c'est un dossier qui est hautement éminemment politique. Dis-moi si une organisation haïtienne car aux États-Unis et puis dis-moi pour faire n'importe quelle déclaration face au gouvernement américain. Est-ce que organisation haïtienne, car en France, il fait n'importe quelle déclaration face à gouvernement français. Il n'est pas capable, non? Eh bien, dans le pays de Saline avec Pétion Christophe, non? Ça n'a pas qu'à faire tout. Il y a des moyens diplomatiques pour une série de bas effets. Et comme nous dit,
dans la note de presse que le ministère des Affaires étrangères bail, c'est un moment très sensible. Côté que nous avons des chefs de détail de gouvernement qui sont en Haïti. Côté que Haïti finit signer, n'est-ce pas vrai, accord avec le Fonds monétaire international. Et puis, comme par hasard, on note que ça a tombé. Et nous connaissons que dossier ça qui s'est caché derrière. Nous-mêmes, Haïtiens, nous ne pouvons pas fourrer bouche nous dans les étrangers comme ça. Premier ministre, Dr. Jacques Guilafontaine, expliqué. Administration Moïse là à gouvernement la diriger a travaillé pour capable porter réforme dans administration publique là mettre loi organique là pour fonctionnement chaque ministère. De l'autre côté chef gouvernement fait connaître effort qui a fait pour capable combattre corruption dans administration publique là. Toujours dans micro Saint-Croix-Paki avec Moïse Joseph Ulbich. Autrefois le que l'État haïtien gagne pour le fonds dépenses, dans le temps qu'on passe par appel d'offres, ou passe par, n'est-ce pas vrai, études de marché, etc., il vient pour un paquet de temps. N'est-ce pas vrai? Tandis que, qui ça vient passer au niveau de l'économie vraiment? C'est que chaque jour, il y a une recette qui est faite dans l'État. Mais chaque jour, il y a une dépense qui est faite tout. Eh bien, étant donné que, tout processus ça yo allégé parce que contrat yo passé en régie ces jours-ci. Donc dépenses yo fait plus vite. Mais recettes yo prend un petit temps pour yo ka fait. Et au fur et à mesure, n'est-ce pas vrai, nous gain recettes k'ap fait kounya. Parce que autrefois par exemple, faut attendre jusque mars avril que l'État t'ait commencé engager dans dépenses. Mais qu'on y a étant donné que tu as allé plus vite, donc nous venons dépenser beaucoup plus vite au début de l'exercice fiscal. Mais d'ici la fin, exercice fiscal là, n'a pas venu gagner en stabilisation. Lutte contre la corruption. Nous connaissons que par exemple, route Kay Jérémie, son route de 300 km que lié, de 100 km que lié, en route de 100 km. L'écoute l'État haïtien, 300 millions de dollars américains, oui. Ça fait 3 millions de dollars par kilomètre de route. Ma parle d'une route qui gagne 7 mètres de largeur, qui gagne 7 cm d'asphalte d'épaisseur, avec bien sûr les travaux d'œuvre qui gagnent, type pont d'eau, etc., qui gagnent pour faire. Eh bien, Kounia. Jean-Président Jovenel toujours dit, nous baye boucanéen, avant que nous gen bouillien, nous en mesure qu'on y a pour nous gen propre pour nous pour construction de route. Nous, ouais, avec le budget que tout le monde a critiqué, que vous avez le budget criminel, nous gen équipement qu'on y a pour tous 10 départements géographiques pays. Gon bagay ki rele chèk zombi. Fòm di nou gen 2-3 moun yo mari deja. Mais nou pa prezante moun zèro bay la presse parce que tout tan que la justice poko di que moun sa yo coupable, nou pa kapab, n'est-ce pas vrai, prezante yo ou sa bay la presse. Mais au niveau de ministère éducation nationale par exemple, nou arrivé à Kembe près de 75 millions de gourdes, c'est-à-dire un peu plus qu'un million de dollars américains en chèque zombie. Dans le dossier économie, dans le conseil ministre qui déroulé 28 février passé, le gouvernement a décidé que toute transaction commerciale qui a fait sur le territoire national là, doit être faite dans la monnaie nationale là, qui est gourde. Dans ce sens, ils ont arrêté présidentiel déjà sorti dans le journal officiel pays à Le Moniteur. Dans ce sens, ça. Nous parlons rapidement dans le Parlement haïtien. Nous avons dit dans le grand titre. Membre commission éducation dans le Sénat République a rencontré jeudi 1er mars. Le premier ministre paysan, Dr. Jacques Guilafontaine, qui était ensemble avec lui, ministre éducation nationale et formation professionnelle à Pierre Josué Agenor Cadet. Ministre économie et finances Jude Alex Patrick Salomon
à coordonnateur office manager à ressources humaines nan Josué Pierre lui professeur qui dans salle classe qui poko nommé et puis professeur qui nommé qui poko touché té nan mitan discussion yo autorité yo entendre pour capable organiser plusieurs séances travail cap commencer à partir jeudi vendredi 2 mars là dans l'idée pour capable résoudre problème ça pour pita semaine qui a venir là président commission dans Sénat République là Denis Kado lancé un appel à bay professeur yo ak élève yo pour capable rapidement yo reprendre chimé classe yo fait na confident ak Moïse Joseph Webrich te sur place nous discuter en pile sous problème là et nous entendre nous pour qu'à partir de demain matin il y a deux séances de travail qui faites avec Premier ministre, ministre éducation, ministre financement, représentant au MRH là qui est à côté de là, pour nous définir ensemble un plan d'action qui permet que à partir de mercredi nous communiquer de date pour résoudre ensemble de problèmes qui gagnent dans ce secteur-là. Dans ce sens, nous invitons enseignants Ponekyo, enseignants Psugoyo, enseignants captains arriérés de salaire, enseignants captains lettres de nomination, pour permettre que l'école recommence le travail. Recommencer le travail parce que volonté pour nous résoudre le problème dans l'île. Nous demandons pour yo reprendre la créo, rentrer dans la salle de classe, yo, permettre que l'élève, encore une fois, bénéficie de processus enseignement-apprentissage. Là, nous-mêmes, nous avons garanti qu'à partir de la semaine prochaine, avec collaboration membres exécutifs, là, n'a porté solution au bayo avec des dates précises sous chaque responsabilité que l'État prend pour résoudre le problème. N'a toujours été dans le Parlement haïtien, sous n'importe prince, dans le cadre de rencontre, là toujours, puisque le Premier ministre, là, Dr. Jacques Guy Lafontaine, sous Bopala, a garanti que le gouvernement a résolu avant longtemps le problème professeur qui n'a pas qu'à toucher et puis c'est là qui peut nommer. Premier ministre là dans sens ça lancé un appel à by élève à professeur pour capable retourner dans salle classe manifestation crasé brisé pas présent problème là d'après chef à gouvernement série séance travail ça a continué pendant week-end ainsi là le pour arriver lundi pour capable résoudre définitivement problème ça d'après PM là qui était dans micro Fidner confident avec Moïse Obrich. Nous-mêmes, au niveau de l'exécutif, nous prenons décision pour nous décréter la permanence. La séance de travail a commencé demain à 11h dans la primature. Nous libérons de tout l'autre engagement que nous prenons et la continuer jusqu'à 1h avancée lundi et jusqu'à 1h avancée vendredi. Et bien sûr, il y a des travaux qui continuent pendant le week-end. Et lundi, nous prenons toute la journée lundi en net pour nous, une fois pour toutes, avec les cadres du ministère de l'Éducation nationale, avec le cadre du ministère des Finances, avec OMRH, pour nous traiter tout dossier en ce qui concerne les enseignants. Même tout profiter pour nous dire. Traitement dossier ça yo c'est pas un bail facile parce que nous gen moun par exemple qui sont des enseignants et qui gen faux papiers qui pas même gen baccalauréat même non yo pas confirmé au niveau système éducation nationale côté nous que même papier philo yo pas gen donc n'a comprendre que son travail complexe que nous gen pour nous faire entre-temps m'a demandé ti moun yo pour être capable d'entrer dans la salle de classe.
Parce que futur, ce n'est pas dans la rue futur. Futur, ce n'est pas dans voie roche futur. Ni dans boule caoutchouc. Ça va faire rien pour payer. Et bac li fait nous faire pendant ces dernières années. Futur, c'est dans la salle de classe que futur. Mande parents autour. Pour parents encadrer timoun yo. Parce que quand il y a deux fois, parents, li pa gen autorité pour parler à timoun yo. Faut que nous prenions responsabilité nous. Parce que moi-même, si je ne prends pas responsabilité avec petit moi, ça où je dis, je ne pas tape ça. Donc, une fois de plus, je remercie les honorables sénateurs. Et après, n'est-ce pas vrai, séance de travail, ça nous-mêmes n'avons gagné pour nous faire au niveau de l'exécutif à partir de demain. N'a à disposition, n'a prêté une invitation. Pour nous venir présenter à l'Assemblée résultat travaux sales. Situation économie pays en sous contrôle, c'est déclaration ministre économie et finance Judas Alex Patrick Salomon fait ailleurs pendant la rencontre cela. Ministre Salomon dit gouvernement prend toutes dispositions nécessaires pour capable stabiliser l'économie haïtienne. Toujours dans micro Fedner confident avec Moïse Wilbrich. La situation est sous contrôle. On est en mode gestion de finances publiques. Et même Takadzo, parce que de temps en temps, il y a des émotions sur des données. Vous comprenez? Ou alors, l'autre jour, il y a des émotions sur le gaz qui va gagner. Après ça, nous avons gaz. Il n'y a pas de déficit budgétaire, le budget n'est pas encore fini. Il y a un découvert budgétaire. Mais le découvert budgétaire, il couvre comment? Il y a des émissions de bons. Parce que le déficit, hein, ou découvert budgétaire, là, le bon problème, c'est quand ce découvert est utilisé pour dépenser des bagailles. Gagot. Donc, c'est un découvert qui a en majorité permis de faire d'Akadzo acquisition d'équipement qui a augmenter la production. Donc, là, nous avons un découvert budgétaire, on doit y mettre des bons pour le découvert, on va baisser automatiquement par un jeu d'écriture. Donc, pas de panique. Il n'y a pas de panique. Donc, nous n'avons pas besoin de parler de déficit budgétaire aujourd'hui. Mais pourquoi il y a un déficit? Le budget, il y a un déficit. C'est le budget bouclé. Parce qu'il y a des découverts conjoncturels, c'est-à-dire même les revenus, ils sont conjoncturels, il y a des revenus en pire, il y a des revenus en pire bas, tout comme il y a des mois dépensant en pire, mois de décembre, mois de carnaval, dépensant augmenté, et revenus n'ont pas augmenté, mais il y a des mois revenus en pire, dépensant en pire bas. Donc il y a des fluctuations au niveau des revenus. N'a pas poursuivre avec information nous te dit dans grand titre police nationale d'Haïti l'ouvri hier jeudi 1er mars là une formation sur blanchiment l'argent à question corruption pour policiers yo formation ça qui a déroulé dans académie police là qui chita sur route frère commune Petroville à bout jeudi vendredi. Objectif formation ça c'est permettre à participants connaître qui travaille, qui déjà fait avec ça, qui a fait dans le cadre de bataille contre blanchiment d'argent et corruption dans le pays d'Haïti, d'après porte-parole la PNH, la France, le mot. En même temps, formation pour permettre aux participants de comprendre plus bien mission différentes institutions comme UCREF, ULCC dans la bataille contre blanchiment d'argent et corruption. En nous suivre. Quel est l'état des lieux dans la lutte contre ces fléaux? Chez nous, l'ULCC, l'UCREF, la Cour des comptes, le Parlement, la BAF, ont-ils été jusque-là à la hauteur de leur mission? Voilà l'exercice auquel se livreront pendant ces deux jours nos panélistes à l'heure où l'affaire Petrobras au Brésil, au Debrèche en République dominicaine, Jacob Zuma en Afrique du Sud, font écho dans la presse. Nous avons pour nous parler de ces choses-là, et nous éclairer à comprendre aujourd'hui trois spécialistes. Nous avons d'abord Maître Sabine Boucher, avocate, spécialiste en sciences de l'éducation. Madame Fabiola Saint-Victor, licenciée en sciences comptables, 13 ans d'expérience dans la lutte contre le blanchiment à travers le système financier.
Elle a participé à l'élaboration de plusieurs programmes de lutte contre le blanchiment et de formation de cadres dans ce secteur. Elle continue à donner son appui et son expertise dans le domaine à plusieurs institutions de la place désireuses d'établir des politiques et procédures de conformité dans la lutte contre les crimes financiers. Enfin, nous avons Maître Laurent Terralien, criminologue, spécialiste en administration publique, membre de l'UCREF et consultant en développement organisationnel. Bon côté parler, directeur général de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Gédérion, quoi formation si là sous blanchiment d'argent à corruption pour elle permettre à PNH la comprendre une série de dossiers puis bien. Chef PNH la fait connaître une façon tout pour quelques policiers capables de bien comprendre pour qui ça les recommandement PNH la prend une sanction contre eux dans ça qui gain pour à question blanchiment d'argent à affaire corruption. Annoncé. Question corruption, blanchiment des capitaux, c'est une grosse préoccupation tant en Haïti qu'à l'étranger. Donc nous-mêmes, la police qui a appelé justement à participer, contribuer à mettre de l'ordre dans la bataille, nous-mêmes, il faut que nous mettions à jour tout. Parce que je dis, là, aucun monde ne peut nous prendre comme prétexte si vous ne connaissez pas qui ça blanchiment, qui ça corruption. Donc nous commençons la caille, nous. Et sensibiliser personnel nous, sensibiliser cadre nous, pour comprendre que c'est du sérieux. Parce que ce n'est pas normal pour, à chaque fois qu'il y a un rapport de Transparency International à faire sortir, et puis regarder la position du pays nous, et côté que nous, généralement parmi les pays qui sont plus corrompus. Donc je pense que c'est de bon augure à ce que la PNH lui-même, de sensibiliser les membres par rapport à fléau ça. Et que lorsque le moment arrive nous-mêmes pour nous capables de sanctionner, pour nous sanctionner jusqu'à la dernière rigueur, et que aucun n'est pas compréhensible, si vous ne connaissez pas ça, bah là, nous-mêmes, nous avons constaté depuis quelques temps, gagner des chiffres que PNH a avancé sur des chèques, dites chèques zombies, que nous-mêmes nous récupérons. Nous transférons encore au niveau du ministère des Finances par moins de 19 millions de gourdes. Gagner l'inspection générale qui lui-même tout. Impliqué dans la bataille, ça, il est retourné dans la direction générale, pas moins de 6 millions de gouttes, rien que hier. Donc c'est pour montrer que nous-mêmes, dans le niveau PNH, nous voulons bailler le temps et corriger ça qui a été corrigé. Mais une question souvent, nous avons toujours posé, pour qu'ils aient saisi autant de chèques et puis tout, nous pas gagné arrestation qui fait. Oui, je m'ai informé, nous avons gagné interpellation qui fait. Nous gagnons pas moins de 2 membres de l'institution qui a arrêté et qui est couru au niveau pénitentiaire national. Enquête qui a continué et gagné tout qui est en cavale que avec l'Interpol, nous avons non examen et mandat d'ailleurs pour nous capables d'interpeller. Et c'est là nous faisons un chapitre local là, nous pour aller à l'étranger, particulièrement dans le pays Venezuela, et nous tenons ça dans grand titre. Puisque gagné un président, Nicolas Maduro, avec le principal adversaire, Henri Falcon, qui jeune entente pour capable garantir transparence et équilibre dans l'élection présidentielle vénézuélienne. Dans ce sens, la Commission électorale nationale a reporté la date d'élection qui était pour faire 22 avril là pour date 20 mai qui a venu là. Euronews pour plus de détails. L'élection présidentielle au Venezuela a été retardée d'un mois. Elle aura lieu le 20 mai, a annoncé la commission électorale. C'est le résultat d'un accord passé entre le président sortant Nicolas Maduro et son adversaire Henry Falcon pour rassurer la communauté internationale. Il prévoit aussi l'accueil d'une mission d'observation de l'ONU. Dans les États-Unis, le président américain Donald Trump a décidé de taxer WO. Tout produit aluminium ou bien acier qui t'a gagné pour capable rentrer dans pays États-Unis. Dans ce sens, pour importation, moun yo ap gagné pour capable payer 10 à 25% droit douane par rapport sur produit sa yo. Euronews. Comme à son habitude, Donald Trump a choisi de frapper fort et de faire parler de lui. Désormais, l'importation d'aluminium et d'acier aux États-Unis sera fortement taxée. Entre 10 et 25% pour une période indéterminée. Pour justifier ce retour en force des droits de douane, Donald Trump a avancé son argument fétiche, la création de nouveaux emplois sur le sol américain. Encore une fois, ce qui a été permis pendant des années est scandaleux. Scandaleux.
Quand on arrive au stade où votre pays ne peut pas produire de l'aluminium et de l'acier, alors je vais vous le dire, ce n'est pas un véritable pays que vous avez. Parce que sans acier et sans aluminium, votre pays n'est plus le même. Premiers importateurs d'acier au monde, les États-Unis ont froissé leurs partenaires commerciaux, et en particulier le Canada, qui lui fournit la plupart de sa production d'acier. De son côté, l'Union européenne a annoncé son intention de déposer un recours au sein de l'OMC. Nous parlons sur le continent européen, Kouniala, dans le pays Espagne, puisque après plusieurs semaines de blocage politique par rapport à l'exil libre dans le pays Belgique, plus de monde a décidé pour les capables de renoncer à poste président catalan. J'ai demandé aujourd'hui au président du Parlement de Catalogne, provisoirement, de ne pas présenter ma candidature à la présidence de la région. Je lui ai demandé de contacter le plus vite possible les différents groupes parlementaires afin d'organiser l'élection et d'investir le nouveau président du gouvernement autonome. Je lui ai annoncé que mon parti proposait Jordi Sanchez comme candidat. Après des semaines d'un blocage politique dû à son exil en Belgique, Puigdemont renonce. Dans une motion adoptée ce jeudi, la majorité indépendantiste du Parlement catalan a pourtant décrété qu'il était, je cite, « un candidat légitime à la présidence de la région ». Mais la Cour constitutionnelle espagnole a barré la route à une éventuelle nouvelle investiture de Puigdemont, qui est poursuivi pour rébellion et sédition. Abstention. Carles Puigdemont propose donc pour le remplacer la candidature de Jordi Sanchez ici à droite. Problème, ce président d'une association indépendantiste est emprisonné depuis 4 mois. Il est déjà 7h30 dans tout studio télévision d'Haïti. Il arrive le moment pour nous capables d'aller. Mais avant nous, Zobaba, il permet que nous rappelons le grand point qui domine l'actualité. Haïti décide de pas participer dans une rencontre qui fait dans les Nations Unies, New York, sous question choléra. Premier ministre paysan Dr Jacques Lafontaine prononcé la hier jeudi en sous raison si la. Membre commission éducation dans Sénat République la rencontré hier jeudi 1er mars là. Premier ministre paysan Jacques Lafontaine qui était accompagné avec ministre éducation nationale et formation professionnelle Pierre Josué Agenon Cadet, ministre économie et finance là Judas Alex Patrick Salomon et puis coordonnateur OMRH là Josué Pierre lui. Problème professeur qui dans salle classe qui pont connomé à professeur qui nommé mais qui pas touché tenamita discussion yo. La police nationale d'Haïti démarre hier jeudi 1er mars là une formation sur blanchiment d'argent à corruption pour policiers. Et puis à l'étranger dans pays Venezuela, élection présidentielle qui était gain pour réaliser 22 avril la cap venir là reporté pour 22 mai plutôt d'après membre commission électorale nationale qui annoncé ça hier jeudi. Nous t'es content ensemble avec vous pour t'être capable informer vous. N'a pas été passé un très bon week-end, surtout si n'a pas route là pour aller à la mer, un peu de prudence, pas boire d'alcool pour lundi matin à coup sûr, ou capable de rejoindre nous pour l'autre édition nouvelle.